Vitan Fun, t'es un site quand il fait des feats avec des youtubeurs connus, t'es un site quand il parle de ces mêmes youtubeurs avec la caca box. 100%. Non, ça dépend lesquels en plus. Ça dépend lesquels. Et c'est pas avec la caca box, c'est avec Ponkil tout court en plus. C'est vrai. La langue française et sa richesse offrent un vocabulaire immense pour décrire quelque chose. C'est vrai un peu ça, c'est vrai hein. Tu le dis souvent, mais moi aussi peut-être, je sais pas. C'est que les noms beaufs me font rire, les expressions ouais, beaufs. Ouais, le bousin, c'est drôle. C'est volontairement beauf, genre j'ai conscience, c'est pas dans mon langage habituel, genre je vais pas dire le bousin, c'est parce que je trouve ça drôle. Je le vois trop, IRL a réparé sa machine à laver, le bousin, le... Bah il est pété le bousin là. Terra qui pète dans son micro, le chat. Ah, c'est dans le sens où vous êtes excité ? C'est vrai ça ? C'est dans le sens ils aiment bien, je crois. Quand je pète dans le micro, vous êtes un peu. Oh. Je sais pas. Ça dépend des gens peut-être, mais en globalité. Soit vous, dans le chat, soit vous dites oh, soit vous dites non, pour que je vois à peu près le taux de grrr et de non. Ouais, du grrr quand même. C'est du 70-30, je dirais. Bah, si j'avais su. Bah, je vous régale en fait. Il y a des gens, ils sont très premiers degré. Non, non. Ça ne me fait pas rire, ça me dégoûte. The Walking Dead, le branleur mort. Oh putain! C'est-à-dire que tous les Anglais, quand tu vas passer ça sur YouTube, ils voient ça. Désolé, hein. Ouais, on a fait une erreur dès le début, hein, c'est comme ça. Hein. Et bah, t'as vu, il y a quelqu'un qui nous a mentionné sur Twitter pour dire qu'il avait parlé à sa mère des cartes Wankul et qu'il avait dit que sa mère avait trouvé que c'était très vulgaire. Mais ouais, Wankul, c'était Wankul. Vulgaire. Et même pas dans le sens Wank branlé, mais juste Wankul dans le sens. Oui, parce qu'il y a. Alors y a, que. Bah, dans le sens, il y a Wankul. On n'a jamais pensé à Wankul dans Wankul. Il y a Wankul dedans. Moi, je comprends, hein, y a quand même une lettre de différence, mais disons Wankul quoi. Please do link Eteracide. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? French YouTubers I don't know. This is Link and Teraseed. A lot of you wanted me to rate them. So the guy on the left, he reminds me of Ed Sheeran. Mais quoi? Pourquoi? Ah si, de loin. Et tout petit. Ils ont pas mis la suite. Mais elle dit, toi t'es Sheeran machin, et que moi, je suis certainement basketteur. Basketteur. Et après elle dit, mais je sais pas si c'est lui qui est petit. Ah oui d'accord, ou elle croit grand. Que tu fais une taille normale et que tu fais 3 mètres. Quand t'as pas le référentiel, t'es en mode, ah bah là il est basketteur. Mais certain. Ça veut dire que tu es parfaitement proportionné. Merci, c'est un compliment qu'on m'avait jamais fait, mais je le prends. Bah, c'est un compliment de fou parce que il y a des gens petits, tu vois direct qu'ils sont petits alors qu'ils ont pas d'éléments de comparaison. Eh, je suis proportionné, ok. Ouais, quand les gens diront t'es petit, je dirais je suis proportionné, ferme ta gueule. Voilà. Je comprends pas. Attends, c'est un gif. Ouais, j'ai oublié ce même par contre. Ah. J'avais pas compris. Ça, mais incroyable. Que c'était ça la suite. Je me disais, je comprends pas ce qui se passe. Mais ça crache sur gif parce que tu rigoles même pas. Juste tu fais le truc tranquillement quoi. Mec, depuis des années pour mimer une fellation, je fais ça. Tu sais, il y a la pipe, et moi je sais pas, je fais les couilles avec. Je sais pas d'où non, ça vient. Non, mais les couilles, c'est trop drôle. J'ai ça en plus. Ça fait un bonus dans l'imitation. Tu satisfais les couilles. C'est incroyable. Oh, attends, je vais les faire grrr dans le chat. Mais ouais, il y en a eu 5. Il était séquencé. Mais il y en a eu 5. Comment c'est possible? Bah là, il va me grrrr. Ça fait pip, oui, oui, oui. C'est wow. Musique Mario, hein. Wow, les différents stades du pay, quoi. Le jour où l'un qu'était pendant qu'il y avait une communauté Facebook qui faisait du RP avec leur wankul. Hein? Quoi? Quoi? Non. Attends, c'est sur Facebook? C'est des noms de gens sur Facebook? Non. Mais il y a mort du monde. Mais c'est vrai en plus. C'est que ça doit être vrai, c'est ça le problème. Mais on aimerait voir les conversations, c'est pas possible. Mais c'est un truc de ouf. Il y avait un univers de gens qui... Prenez pour des wankul. Et on veut du détail. Non, on veut du détail. Y a pas le Facebook dans les commentaires. On veut savoir. Si vous voyez des trucs bizarres comme ça, faut surtout pas hésiter, on veut voir. Hein. Je fais quoi 24 heures sans conséquence? Link dépenser beaucoup d'argent, je sais pas, Terra. Et c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Non, on va pas. J'ai pas. Non, mais oh. J'imagine, mais ça se trouve, je le ferai vraiment pas en plus. Si j'y pense sérieusement, je pourrais le faire. Même si t'es sûr qu'ils vont pas avoir mal. Non, par contre, si c'est quelqu'un que j'aime vraiment pas, je peux le faire. Putain, j'espère qu'ils vous aiment bien. Il y a des gens à qui je peux penser, je peux le faire. Sur des gens que j'aime vraiment pas. Ah, c'est intéressant. Il y a des gens que tu détestes très très fort. Ouais, ouais, ouais. Pas beaucoup. Mais là, j'ai des noms. J'ai un nom en tête, je pourrais le faire. Je pense que j'ai un nom, mais je suis pas sûr. Je le fais pas parce que voilà, mais c'est la loi, tout ça. Non, mais si j'avais une journée sans conséquence, je pense que je le ferais. Pour me satisfaire. Est-ce que vous avez un nom? Tout le monde a un nom de quelqu'un, c'est sûr. Oui. Personne n'a une vie parfaite avec. Si vous avez que pas encore de nom, expériences. Vous en aurez bientôt un. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça viendra, ça va arriver. Oh la vache. Oh la vache, c'est moi ça. Oh l'horreur. C'est clairement un film d'horreur, il y a ça dans le décor. Et ça, c'est moi donc. Oh.
C'est horrible. Et je tire la langue et tout, quoi. Je suis vilain, en fait. Mais t'es une gargouille, hein. Après, j'aime bien, c'est relativement bien fait, mais ça fait peur. Ah ouais, bah mets-le chez toi, je pense. Tu peux toujours demander à la personne qu'elle te l'envoie, hein. C'est très joli, mais après, je vais dire aux gens, c'est un truc random, c'est pas moi, quoi. Ah, c'est joli quand même. C'est bien fait, mais c'est horrible. C'est très bien fait. Oh là, une BD. Ah, miam miam, j'ai vraiment hâte de manger mon goûter. Ah, je suis Squeezix, le voleur de goûter. Oh non, pas mon goûter. Le goûter est à moi. Ah, ah, ah. Oh non, ma maman l'avait préparé avec tant d'amour. Que vais-je faire maintenant? Je me sens si triste et affamé. Ne t'inquiète pas, Link. Oh, ne t'inquiète pas, je vais récupérer ton goûter. Oh, Terracid, on peut toujours compter sur toi. Ok, maintenant je plaisante plus. Oh, waouh. Squeezix, tu vas payer pour tes crimes. Le goûter est à moi. Paf. Ouille. Ouille. Pif. Aïeux. Et que je ne t'y reprends plus, petit garnement. Je suis vaincu. Merci beaucoup, Terracid, tu es mon meilleur ami. Pas besoin de me remercier, Link. Je ferai n'importe quoi pour toi. Oh non. Oh non. Oh, Terracid. Oh, Link. C'est une vraie histoire. Elle est vraiment super bien, sa BD, en tout cas. Il a fait une BD via une anecdote. Super. Ça aurait pu être pire en une heure. Hein. Ça aurait pu être mieux aussi. La jeunesse de Terracid. On m'envoie cette photo à chaque fois, mais je trouve pas que ça me ressemble de fou. Il hein. Y a un truc, genre, mais c'est non, pas de fou. Ça. Si je l'avais vu, j'aurais pas pensé à toi. Ouais, j'aurais pas tilté, tu vois. On me l'a tellement envoyé que je me suis dit, bah. Par contre, le vieux derrière, ça me fait rire. C'est mon daron, hein. Il est tout vert, il est tout bizarre. Genre, j'ai vu, par exemple, Niels Bohr. Ok, c'est mon sosie. Niels Bohr, je suis d'accord. Genre, quand on m'envoie, ah, je oui, dis, bah, oui, je... Ouais. Dès que je vois la photo, je me dis, bah, c'est moi. Ah non, c'est pas moi, c'est Niels Bohr. Oh, c'est moi. Alors qu'il est très moche, hein, mais très intelligent, donc ça va, ça me plaise pas trop. Billy, il est temps que je t'apprenne à utiliser ton argent et l'importance de. Oh, Billy, je suis si fier de toi. Très bon choix, Billy. Bravo. Bravo à tous ceux qui ont fait ce choix d'ailleurs. Et dans votre cul, ceux qui l'ont pas fait, parce que c'est trop tard. Terra, j'ai un vidéoprojecteur. M'en fous. Je peux le mettre n'importe où et il s'adapte. Je m'en branle, putain. Osef, de votre avis, je continue. Putain, personne n'aime mes anecdotes sur mon projecteur. Le mec a carrément des anecdotes sur son projecteur. Je dis les spécificités techniques de mon projecteur et tout le monde s'en branle. C'est chiant, je peux pas parler de ma passion, merde. C'est de l'ingue pendant la canicule. Oh bah cet été, ça va être. On va faire d'autres tests cet été. Hein. C'est très vrai, hein. Franchement, c'est de pire en pire. Hein. C'est en train de tomber. Attends, c'est tombé dans la tour. Il y a de l'œuf qui est tombé dans la tour. Là, on a pas trop joué ce soir, du coup, c'est tolérable. Ah, moi j'attends les bonnes canicules pour te faire des tests. Il l'a saisi. Carrément, il est en train de mettre des épices. À chaque putain de vidéo unboxing. Mais lui il est trop drôle à tous les gars. On est pire web média, il n'y a plus d'unboxing, tu pourras plus bouffer de bites. Je peux plus bouffer des tubs. Lake. Mais attends, mais en fait le Reddit quand tu mets les tops, en fait il est vraiment drôle. Franchement il est bien. Y en a qui sont forts. Eh hey, putain, bah respect ce con. Trou réel. Mais c'est ça qui fait des bons streamers. C'est mieux quand même. J'ai jamais fait une vidéo de One Kill, tu peux la regarder avec moi. Tu ne pourras plus faire marche arrière une fois que tu auras commencé. Je sais. Tu es sûr d'être prêt pour ça? Oui, enfin, je crois. Vous étiez tous ce Malcolm et vous avez sombré dans l'addiction, tranquille. Ça nous aura pris que 10 ans. Tout va bien. Rien à voir ici, juste des points placés à la torrent. Alors attendez, je vais me concentrer très fort. Attends, il est pas si dur. Il est pas si dur pour moi. Tu peux pas voir? Je pue. Il arrive pas à voir du coup. Ah, c'est marrant les handicaps. Ah, c'est super. Ah, c'est super. C'est comme c'est si trop là, malin. Il y avait un mec dans une chaise roulante et vous disiez ah, il peut pas marcher. Le mec qui a fait ce poste est trop malin. Je on peut tout préconise. Je prépose. C'est bon parce que t'as le pré, mais t'arrives pas à lire le reste. Attends, je me recule. Je présente. Terracid. Je préfère Terracid. Ah le temps. Encore il a fallu qu'il devine. Mais attendez, mais oh par pitié, mais faites-lui dire des trucs. Le préfère, je ne le vois pas. Hein. T'as eu le pré, mais le faire, il était illisible. Terracid, je sais même pas comment j'ai fait. Vraiment, je me recule fort quoi. Je prépuce hein. Attends, moi aussi j'y arrive pas. Bah j'ai quelque chose à vous annoncer alors. Ah ouais, malheureusement, tous ceux qui n'y arrivent pas, vous êtes daltonien. Désolé. Ah, c'est la preuve, vous l'êtes hein. Parce que là, c'est très dur pour moi. Non, on l'a lu en one shot. Hein. Je peux le lire, mais c'est très long. On a décidé de faire un test de daltonisme à Link. Trouver la couleur unique parmi tous les blocs ah, ça en a l'air 60 d'être secondes. Ça. Celle-là. Pour l'instant, il n'est pas daltonien. Bah, je comprends pas, il n'est pas daltonien, il y arrive. Ah, là, tu n'y arrives pas? Celle-là. Si, je faisais un truc. C'est vraiment minime. Genre minime. Je vois. Non, mais là, c'est minime. Je l'ai, mais c'est minime. Mais tu l'as aussi. Attends, mais t'es pas daltonien en fait. Tu es juste con. 46. Mais c'est pas normal. Je suis Superman. Mais t'es pas daltonien du coup. Comment ça se fait chaud. Que t'arrives pas à lire les trucs de daltonisme? Mais là, t'y arrives. Bah, je sais pas moi. Je suis daltonien, je viens de découvrir. Bah, grâce à ce live, il y a des gens qui vont découvrir. Attends, m'a envoyé celui-ci en vrai test daltonien. J'ai l'impression d'être un rat dans un laboratoire. Et là, tu les vois les couleurs là? Tu auras un bout de fromage si tu le fais. Il faut voir tes limites. Ok,
vous êtes prêts? 8, okay. C'est 4. Ça le truc que t'es pas censé réussir. Bah j'en sais rien. Je vois une. Bah non, mais c'est pas possible. Non, 8. Mais attends, comment ça se fait que tu peux. Moi, c'est évident, il y a même pas de nuance. Bah, j'y peux rien, mec, c'est de daltonisme. Mais comment t'arrives à trouver des nuances de couleurs? Mais j'en sais rien. Je vois un 6. Le reste, le fond est. Ouais, c'est ça, le fond est gris, le 6 est rose. Ouais, je sais, je vois du rose et du gris, mais c'est trop confus en fait. 7. Ça, c'est très très clair. Ah bah, ça, c'est pas clair du tout. Ah putain, moi, c'est ouf comme c'est limpide. En fait, alors, faut que je me pose et que je suive attentivement. Mais là, je vois. Je vous rappelle l'anecdote de quand Link a découvert à 18 ans qu'il était daltonien. C'était avec moi, Punky et Link. Et qu'à un moment donné, il y avait une image drôle comme ça, là. À la place d'un chien, c'était un truc drôle. Punky et moi, on rigole. Et Link rigole pas. Lui, il voyait pas l'image. Bon, là, c'est comme ça qu'il a compris qu'il était daltonien. Je vais le dire, je ne vois rien. Bizarre parce que quand là, j'ai plus rien. Qui se ressemble. Là, j'ai que dalle. Rien, ah, zéro. Tu vois, nada. C'est une boule. Tu vois ça gris, tu vois ça vert. C'est gris, là. Tout est gris. T'es en voiture, tu passes au gris. Voilà. Mais j'écrase personne quand même.